Oh fils de pute! J'écoute un son, fils de pute! Bonjour à tous, arrivederci, arrivederci. On repart ensemble avec un nouveau concept. Le concept est très simple. On va prendre une chanson, on va l'écouter ensemble. Apparemment, c'est la mode, donc on va essayer de faire. On peut écouter les chansons, on peut écouter les albums, on peut aussi écouter la vie et l'automne qui tombe. Aujourd'hui, on se retrouve avec le nouveau single. Le single de Francis Cabrel qui s'appelle Le Fils Unique. Ça veut dire que le fils, il est tout seul. On met play, c'est parti. Il a sa petite boutique. Il a sa petite boutique, ça veut dire il vend le teuteux, il a son petit truc. Il multiplie les pains dans du film plastique. Il multiplie les pains dans les films plastiques à référence au teuteux à la barrette de shit. Oh Francis, oh Francis, si tu vends le teuteux, tu me dis, tu fais pas les chansons de Fils Unique avec la corrida. Fais la chanson avec le teuteux, tu as compris. Oh Francis, Francis, on t'entend plus. Francis. Il y aura souvent des cuts où j'expliquerai les paroles. C'est un gars bien, un rien excentrique. C'est un gars bien, un rien excentrique. Ça veut dire que la personne est gentille dans le fond, mais elle est un peu excentrique. Elle a une raie sur le dessus ou elle a une mèche teint jaune. Je sais pas, Francis, explique un peu les chansons. Il offre des pépins aux filles sous l'averse. Il offre des pépins aux filles sous l'averse. Quand le gars, il voit qu'il pleut et qu'il y a des filles, il mange le raisin, il prend les pépins, il le jette dans la tétasse. Donne le bras à la dame qui traverse. Il donne le bras à la dame qui traverse. Dès que la dame elle traverse, il lui fait manger la coudasse. Il met la patate à la dame qui traverse. Il lui mange. Il lui mange la tétasse. Il lui met la coudasse. Un peu violent, Francis. Oh. Mais c'est ça qu'on aime aussi. Un gars moderne. Ça veut dire que quand tu rentres chez lui, il a un iPhone 8. Hein? En jean et converse. En jean et converse. Ça veut dire que son style, il est un peu claqué sa mère. Tu as compris. Ah, sur la tête de la mère, Francis, j'ai rien compris, frérot. Articule quand tu fais haut. Et quand essaie de ton misou, Angela chatte et fait de poils. Ah, on a rien compris, frérot. Francis, si je te croise, attention, Francis. Coudasse, coudasse, Francis. Oh. Il a son gilet pare-balles. Ça veut dire que c'est un pote du quartier. Des fois, il fait référence à mon pote Momo, ou mon pote Nidal, ou mon pote Eichel qui est sorti de prison, qui mettait le gilet pare-balles. Il ne sort jamais sans son petit colt élégant. Son colt élégant, un colt c'est une arme, c'est une arme à feu. Et un colt élégant, c'est une arme à feu avec une cravate. Il a une classe folle. Il a une classe folle, oh. Un peu pédé, Francis. S'il y a une bite qui passe, la goulette, mon Francis. Souffle un peu sur les boules. Souffle les boules. Tu vas souffler les boules. Et bazao, tu vas lui prendre de la bite. Bazao, tu vas éjaculer sur son torse. Il va avoir du sperme partout sur ton torse. Oh, Francis, qu'est-ce que tu fais, gros? Par-dessus les toits, les paraboles, il dit faut surtout pas qu'on s'affole. Oh Francis, oh, arrête de prendre de la bœuf, Francis. Oh. Tu es défoncé, on comprend chi. Il parle les mains jointes. Il parle les mains jointes, ça veut dire qu'il est en garde à vue. Quand tu mets les menottes, il a les mains jointes ou il fait le signe Joule. Tu as compris? Encore une référence au quartier. De son père au ciel, de sa mère une sainte. Son père au ciel, ça veut dire que son père, il travaille sur les toits. Ça veut dire qu'il est fan de Deltaplane. Et sa mère est une sainte, ça veut dire que sa mère, elle attend un bébé. Qui aurait pu marcher sans laisser d'empreinte. Marcher sans laisser d'empreinte, ça veut dire que sa mère, elle vole. Elle est à ça du sol et elle touche pas par terre, tu as compris. Mais comme il sait ce qui se passe autour, qu'il est ni aveugle ni sourd. Il sait ce qu'il se passe autour, il est ni aveugle ni sourd. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en bonne santé, qui a encore son oui et encore son aura. Tu as compris? C'est ce qui se passe autour, ça veut dire qu'il regarde BFM TV ou les informations. Comme il a très bien compris le monde dans lequel on vit.
sur ma référence à C'est pas sorcier, avec Jamie. Tu regardes C'est pas sorcier, tu sais dans quel monde tu vis. Bouffe-la la vie, mange-la la vie, oh, mange-la la vie, mon Francis. Francis, quand je l'écoute, il me donne envie de manger la vie. Et de manger le cul, de manger la chatte. Quand tu n'as, mais voilà, parce que la vie, c'est le cul et la chatte, non mec. Francis, oh. Fiancé Marie, Marlène, il la voit à chaque fin de semaine. Marlène, c'est la grosse salope du quartier qui a les plus gros tétés du quartier. On l'appelle les meules. Ses seins, ils sont tellement lourds, on dirait des meules, tu as compris. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Candia ou Candia. Sa tête de mère, ça fait pas mal de lait. Il a des amis bien placés au comptoir de certains cafés. Ça veut dire que ses amis, quand ils commandent à boire, ils sont toujours bien placés. Tout finira bien par changer. Il leur dit que tout finira bien par changer. Tout finira bien. Merci pour l'écoute. On se retrouve pour une prochaine chanson. Ah, tête de ma mère, oui. Ah, il veut se mettre à la caméra, oh, Théma, oh. Sur la vie de ma mère, il a pas les poils, oh, Théma. Oh, Yous, Théma, ce chat, il a pas de poils, frère. Théma, sa bite. Monte ta bite en scred. Dis bonjour, la tête de ta mère. Voilà. J'espère que l'écoute du single vous a aidé à mieux comprendre le morceau. Comme moi, j'ai mieux compris les femmes en mettant les doigts dans le cul et doigts dans la chatte. Et si vous aimez encore plus ce concept, je referai des analyses de son. Avec le son, avec le cul, avec la coudasse. Et la vidéo, elle me casse les couilles. Je vais arrêter la vidéo, tu as compris. On repart ensemble. Pourquoi on repartirait pas ensemble? Mamacita, donde está Santa Claus?